Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Tafa de la chaîne AfroForex. Cette chaîne, parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum. Donc, c'est ainsi qu'on pourra ensemble impacter la communauté en ce qui concerne la finance. Vous le savez très bien, la finance est en réalité l'élément qui fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Donc, on a un grand intérêt, je dis bien un grand intérêt à pouvoir partager ceci afin que ça puisse changer quelque chose dans nos vies et dans notre communauté. Donc, fais-le au maximum possible et imaginable. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'une chose très, très importante, n'est-ce pas, qui s'est passée sur les marchés la journée d'hier et qui a fait bouger réellement les tendances. Il s'agit bien sûr de l'annonce de la Fed, de Jerome Powell. Donc, il y a eu pas mal d'annonces au cours de la journée d'hier. La journée d'hier était plein d'événements, plein d'effervescence, n'est-ce pas? Et l'annonce particulièrement importante qui a été attendue sur la scène, n'est-ce pas, internationale en ce qui concerne les marchés financiers, c'était clairement le FOMC, n'est-ce pas? Donc, il s'agissait clairement de l'attente de la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis, afin de pouvoir bien sûr prendre des décisions. Donc, on va parler des taux d'intérêt, on va parler de cette hausse-là, on va essayer de comprendre comment est-ce que ça a fait bouger les marchés et comment est-ce que nous, on va se comporter pour la suite, ou alors qu'est-ce qui pourra se passer pour la journée de jeudi et de vendredi qui s'en viennent, et éventuellement de la semaine qui pourrait s'en venir. Déjà, j'avais précisé dans le live pas mal de choses qu'on va revenir dessus et puis après on va aller sur les prédictions. Maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que vous avez demandé, pas mal d'entre vous, vous avez demandé la prolongation de la promotion pour le mini programme, n'est-ce pas, qui va bientôt démarrer, n'est-ce pas? Nous sommes bien en février et actuellement, nous avons permis cette possibilité-là. Donc, actuellement, pour toutes ces personnes qui ont demandé la prolongation de la promotion pour qu'ils puissent véritablement s'acquérir cette possibilité de pouvoir suivre cette formation, de pouvoir s'inscrire et suivre la formation, vous avez l'occasion de vous inscrire le plus rapidement possible et de profiter de 30% de rabais sur les frais d'inscription de départ pour le mini programme de formation trading forex et trading crypto. Donc, c'est l'occasion pour vous de pouvoir payer cette formation-là à 70 000 francs CFA seulement au lieu de 100 000 francs CFA. Donc, dépêchez-vous de pouvoir prendre vos places parce que tout au long du programme, on va t'apprendre comment toi aussi tu peux démarrer sur les marchés financiers et faire tes premiers pas tout en faisant tes premiers gains. C'est vraiment ultime pour chacun d'entre vous qui voudrait véritablement prendre l'année 2023 de manière sérieuse et de pouvoir bien sûr développer une activité qui va lui permettre de générer un revenu conséquent. Mais ça va commencer par les bases naturellement parce que au mini programme, nous parlons véritablement du B.A.-BA. Ça dit même si tu ne comprends rien, même si tu ne sais rien du trading, tu auras juste à suivre le système que j'ai mis en place et tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, prends le soin surtout de pouvoir bien sûr nous contacter le plus rapidement possible au numéro de téléphone qui se retrouve dans la description de la vidéo. Ou alors, si tu es dans un groupe WhatsApp AfroForex, prends le soin de contacter l'administrateur de groupe Mohamed ou alors écrivez directement dans le groupe que vous êtes intéressé par la formation et on va vous prendre en privé. Prenez juste le soin de répondre aux messages et on va vous donner tous les détails nécessaires afin que vous puissiez vous inscrire et suivre cette formation de manière excellente et de pouvoir bien sûr mettre les choses en place afin que votre année puisse changer considérablement. Donc voilà, ceci étant dit, je vous attends très nombreux et je serai super content de pouvoir bien sûr vous accompagner tout au long de ces programmes-là, programme Forex et programme crypto. Donc on va apprendre à trader les cryptos concrètement, gagner de l'argent chaque jour sur les cryptos. On va apprendre la même chose sur le Forex. Donc selon le programme qui vous intéresse, décidez-vous et inscrivez-vous. Il ne reste plus que quelques jours encore pour pouvoir profiter de cette promotion.
Ceci étant dit, je vais aller droit au but de cette vidéo-ci et on va aller dans les détails. Donc, je vais partager mon écran afin que nous puissions faire un tour d'horizon sur les différents éléments qu'on va aborder. Et comme je l'ai dit tantôt, pour la journée d'aujourd'hui ou alors pour cette vidéo, on va devoir bien sûr aborder les annonces qui ont fait le mouvement de la journée d'hier, c'est-à-dire la journée de mercredi qui vient de se terminer. Et tout au long de la journée, nous avons eu plusieurs annonces, mais l'annonce qui a été la plus prépondérante, comme je l'ai dit déjà depuis la revue des marchés, pour ceux qui ne connaissent pas que nous faisons des lives chaque dimanche par rapport à la revue des marchés, vous avez un grand intérêt à vous noter cela dans votre agenda chaque dimanche à partir de 19h GMT. Vous devez être connecté sur AfroForex. On va aller sur l'économie, on va parler économie, on va parler de stratégie, on va parler bien sûr d'opportunités de la semaine. Donc tu peux venir suivre les lives de samedi, de dimanche à partir de 19h GMT sur YouTube ou alors sur Facebook selon la plateforme que tu préfères et tu auras donc l'occasion de pouvoir détecter les opportunités qui vont te permettre de te positionner également sur les marchés éventuellement selon tes décisions personnelles et pouvoir donc peaufiner tes stratégies également et pouvoir comprendre la dynamique du marché et donc les grandes tendances qui vont se prononcer tout au long de la semaine. Donc, prends le soin de noter cela dans ton agenda pour ne pas rater cette occasion ultime. Donc, voilà, ceci étant dit, on a eu l'annonce sur le FOMC pour la journée d'aujourd'hui, mais à côté de cela, on a eu les job openings, donc les déclarations de postes vacants. Donc, on a eu pour cette occasion-là, beaucoup plus de déclarations de postes vacants. Donc, c'est ce qu'on peut voir par exemple ici. On s'attendait à une déclaration de quasiment 10 millions, 10,28 millions, une petite baisse par rapport au mois passé. Mais visiblement, on a eu une très grosse hausse de 11 millions. Donc, 11,01 millions postes vacants. C'est énorme et c'est très encourageant. Mais ceci n'a pas fait bouger les marchés en réalité. Si vous regardez bien le Nasdaq par exemple, on n'a pas eu de mouvement tout au long de la période. On a eu quelques mouvements, mais ce n'était pas encore ça. Donc ça, on peut le voir clairement ici sur le graphique du Nasdaq qui nous donne clairement le fait que pendant les annonces relatives au job opening, donc les postes vacants, ça n'a pas fait bouger. Le fait que il y a eu une hausse, n'est-ce pas, du nombre de postes vacants. On s'attend naturellement à ce que il y ait en fait une augmentation du dollar américain parce que on s'attend en fait à ce qu'il y ait une augmentation du dollar américain, ce qui ferait que on voyait un euro USD par exemple chuter ou alors un Nasdaq éventuellement chuter. Donc, mais les mouvements de ces annonces-là étaient vraiment très minimal parce que tout simplement les traders et les investisseurs attendaient principalement comme annonce le taux d'intérêt et ça je l'ai mentionné tantôt au cours de la journée de dimanche pour ceux qui étaient là lors du live en live donc certaines personnes avaient déjà l'info depuis le dimanche et ils avaient juste à peut-être prendre avantage bien sûr selon leur décision donc du coup encore une fois, on a eu finalement l'annonce du FOMC, n'est-ce pas, du Fed. Donc, la Fed a déclaré les taux d'intérêt qui devraient être publiés. Et visiblement, on a eu véritablement la hausse de 25 bips telle qu'on s'attendait. Donc, ici, nous avons la prévision qu'on avait sur le marché au cours de la journée de dimanche, quand on était encore à dimanche. Et pour la journée où l'annonce devait sortir, on a eu clairement la valeur qui était espérée par le marché. Alors, quand on a une valeur qui est espérée par le marché comme ça va se traduire par pas mal de phénomènes. À la base, c'est que lorsque on a une hausse des taux d'intérêt, bien sûr, on s'attend à ce que le dollar américain prenne de la valeur. Ce qu'on va potentiellement voir, mais en général, c'est des phénomènes qui vont être un peu plus nuancés sur les marchés. Donc, sur les marchés financiers, c'est un peu plus nuancé. Donc, mais d'un point de vue économique, d'un point de vue théorique économique, on s'attend à ce que lorsqu'il y a augmentation des taux d'intérêt, on voudrait voir un dollar américain prendre de la valeur. Mais c'est ce qu'on ne va pas voir en réalité sur le marché. Parce que, regardez par exemple ici, on voit que le dollar américain a plutôt chuté. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? C'est contre-intuitif.
Donc, on voit un Nasdaq aller à la hausse, on voit un taux d'intérêt aller à la hausse, mais on voit un dollar américain chuter. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que en réalité, de manière intuitive, ce qui se passe sur le marché actuellement, c'est que lorsque on voit les taux d'intérêt aller à la hausse, c'est qui les anticipations. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'anticipation que les traders mettent en avant pour pouvoir bien sûr prendre avantage de cette situation-là. Quelle est l'anticipation principale? Alors, je vais vous expliquer. L'anticipation principale que les investisseurs mettent en avant est que lorsqu'on a un taux d'intérêt à la hausse comme ça, en tout cas pour ce contexte de crise dont on parle, il faut être plus précis parce que en fonction du contexte, ça peut changer. Alors, pour ce contexte de crise dont on parle, le fait qu'on ait augmenté les taux d'intérêt, n'est-ce pas, font penser ou alors font que les investisseurs anticipent que cette augmentation va se passer comment? Va avoir pour rôle principal, n'est-ce pas, le taux d'intérêt augmente, ça aura pour rôle principal de baisser l'inflation. Donc l'inflation va baisser et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer à côté? Ce qui va se passer, c'est que sachant que l'inflation est en train de baisser, ça traduit en fait que on a une baisse de risque sur le marché. On a une baisse de risque, ok? Le risque baisse. Donc, si on regarde par exemple le graphique du VIX, on va se rendre compte que le VIX a baissé considérablement, d'accord? Donc voilà, par exemple le VIX qui a baissé de 7% énormément. Donc ça, c'est clair, c'est une anticipation du marché sur les phénomènes qui vont arriver dans les journée, semaine à venir. Donc voilà pourquoi le VIX a considérablement chuté. Ok? Et là, du coup, quand on a ce phénomène que les investisseurs anticipent à l'avance la baisse du risque sur le marché, qu'est-ce qui se passe sur le marché des actions? Qu'est-ce qui se passe sur le marché des indices? Les achats sont puissants. Les achats sont totalement puissants. Et encore une fois, lorsque les taux d'intérêt, lorsque les taux d'intérêt augmentent comme ça, les investisseurs sont obligés quelque part de se débarrasser des bons de trésor. Ok? Ils sont obligés de se débarrasser des bons de trésor pour pouvoir bien sûr prendre avantage des actions, n'est-ce pas? Lorsque les taux d'intérêt baissaient, lorsque les taux d'intérêt étaient à la baisse, les investisseurs se prémunissaient du risque pour pouvoir bien sûr profiter de tous les gains qu'ils pourraient réaliser sur les bons de trésor. Donc, ils achetaient en masse les bons de trésor. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que lorsque le taux d'intérêt augmente considérablement, les investisseurs savent que le risque, en tout cas, le risque est en train de baisser sur les marchés. Ils peuvent en réalité se permettre, le risque systématique, hein, quand il parle de risque, c'est systématique, donc ils peuvent se permettre maintenant de revenir à la charge sur des actifs beaucoup plus risqués. Donc ils sont en mode offensif sur les marchés. Donc voilà pourquoi on voit un Nasdaq explosé. Par exemple, aujourd'hui, le Nasdaq a explosé quasiment de 2%, n'est-ce pas? Donc je vais revenir sur mon graphique. Le Nasdaq a carrément explosé de 2%. On voit cette montée fulgurante. Après le discours de Jerome Powell, donc après l'échange qu'il a eu, la conférence de presse, et on a clairement un DAX qui a aussi explosé. Bon, c'est un mouvement de marché, hein. Donc on a le Dow Jones, n'est-ce pas? Le Dow Jones qui a également explosé considérablement. Donc on peut voir les trois bougies alignées et très grosses là. Donc ça manifeste clairement le fait que on a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont relancés sur le marché des actions, sur le marché des indices. Donc voilà pourquoi on a cette explosion fulgurante sur sur les indices et sur le marché des actions. Donc pour résumer, c'est que le fait qu'on ait augmenté les taux d'intérêt pousse les investisseurs à anticiper que cette hausse des taux d'intérêt va se traduire par une baisse de l'inflation supplémentaire et cette baisse de l'inflation supplémentaire va donc se traduire par une baisse du risque sur le marché, du risque
de marché, n'est-ce pas? Risque systématique. Quand je dis risque systématique, c'est toutes sortes de phénomènes de risque qui affectent tous les actifs, toutes les actions, tous les indices, enfin, tous les différents actifs que vous pouvez connaître sur les marchés, d'accord? Donc, un peu comme le taux d'inflation et le taux d'intérêt, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est un peu ça. Et là, du coup, voilà pourquoi ils se permettent de prendre un peu plus de risques sur le marché des actions. Ils se débarrassent des actifs moins risqués pour aller sur des actifs un peu plus risqués. Donc, voilà donc comment le phénomène, le transfert de risque se fait. OK? Et donc, du coup, avec ça, on a eu clairement une explosion également sur le marché des crypto-monnaies. Ça, vous pouvez le voir si vous prenez le Bitcoin qui a atteint les 24 000 dollars, n'est-ce pas? Donc, je vois un Bitcoin naturellement aller chercher les 25 000, dans ce qu'on va voir tantôt. Et c'est si on avait prévu depuis dimanche, si vous voyez bien mon scénario, quand on va en H4, n'est-ce pas? C'est un scénario qu'on avait prévu. Donc, les amis, si vous ratez les lives du dimanche, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas normal. Vous devez absolument être présent. D'accord? Donc, il faut partager au maximum les lives du dimanche pour que ça puisse aider le maximum de personnes. On est là pour changer la donne, n'est-ce pas? On est là pour changer les tendances. Et on n'a même pas encore commencé. Et ça, je peux vous le garantir. Donc, prenez le soin tout simplement de partager au maximum les vidéos. Commencez par partager cette vidéo au maximum. Ça va aider beaucoup plus. OK? Donc, vous voyez qu'on avait défini un scénario qui disait que si le prix descend et commence à manifester des scénarios haussiers, des tendances, des pressions haussières, alors on devait exploser clairement à la hausse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on voyait clairement un dollar à la baisse si jamais la Fed respectait sa parole. Donc, visiblement, on a eu le respect de la parole de la Fed et clairement, ça nous a donné gain de cause. Et personnellement, moi, j'attends un Bitcoin qui va encore pousser fort, qui va pousser fort pendant la journée d'aujourd'hui, la journée de demain également, et éventuellement pendant le week-end pour aller chercher les 25 000. Oh, on peut le faire en un jour, on peut le faire en 2 jours, on peut le faire en 30 minutes. C'est possible, tout est possible, ok? Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Maintenant, pour les indices, moi, je vois un retournement à la baisse clairement sur les indices, n'est-ce pas? On peut voir que le Nasdaq a explosé énormément. Moi, j'ai pris ce trade-ci et je l'ai coupé quelque part à environ 3 000 à 4 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça m'a permis personnellement de pouvoir rattraper certaines pertes que j'avais réalisées. Donc, du coup, c'était plutôt un très, très beau début pour le mois de février qui commence en beauté. Donc, du coup, voilà. Je pense que pour ce qui est du Nasdaq, on va essayer de prendre le Fibo pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, en prenant notre Fibo, moi, je m'attends à une correction qui va naturellement venir chercher les niveaux des 12 000, des 12 300 environ, ou 12 273. Donc, personnellement, voilà un peu ce que je vois parce que la remontée qu'on a eue pour la journée d'aujourd'hui a été explosive, n'est-ce pas? Donc, je vois une correction d'abord si ce n'est pas ici pour aller monter à la journée de vendredi. Je vois une descente qui pourrait éventuellement retrouver ce niveau-ci avant d'envisager une remontada à la journée de vendredi. Donc, journée de jeudi, on s'attend à une baisse. Personnellement, je m'attends à une baisse, ça, il faut le préciser. Et journée de vendredi, je m'attends naturellement à une explosion à la hausse, continuité à la hausse pour aller chercher le niveau daily qui se retrouve quelque part ici en haut à 12 800 environ. Donc, voilà, c'est un peu mon scénario clairement défini. Pour ce qui est du DAX, on va avoir quasiment le même phénomène, mais on pourrait aller beaucoup plus vite. Pour le DAX, je vois une correction naturellement pour ici, pour venir chercher environ les 15 213 ou 210 environ, n'est-ce pas? Parce que là, on a cassé clairement la bande. Correction, légère correction pour pouvoir se préparer pour un achat explosif qui peut aller chercher les 15 400. Donc, voilà un peu comment je vois pour les indices, pour les deux indices principaux que je surveille. Maintenant, pour l'or, qu'est-ce qui se passe pour l'or? Alors, l'or également a explosé à la hausse. On peut le voir ici, là. Donc, on avait vu une tendance haussière depuis fort longtemps sur l'or. Et là, clairement,
On a cassé à la hausse. Je m'attends clairement à un pullback pendant la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je m'attends à un pullback. Et actuellement, l'or suit un peu les mêmes tendances que le Nasdaq, comme vous allez certainement remarquer. Et on risque de revenir pour aller chercher une bousculée à la hausse avec l'or. Mais maintenant, pour les paires de devises, on voit que l'euro USD a explosé. Il y a pas mal d'étudiants Afroforex qui sont en cours, n'est-ce pas, qui ont totalement pris cette opportunité géniale, quoi. Donc, félicitations en tout cas à tous les étudiants qui ont saisi cette opportunité. Étudiants super engagés encore. Donc, si tu veux partir, tu veux faire partie d'une communauté des personnes qui ont soif d'apprendre, qui veulent véritablement maîtriser le trading et qui veulent vraiment faire les choses de telle sorte ils se font entourer par des personnes qui sont super motivées et qui ont l'envie d'apprendre et qui sont prêts à s'entraider entre eux, n'est-ce pas? Eh bien, la communauté Afroforex est là. Donc, n'hésite pas à rejoindre le programme de formation, mini-programme Forex ou le mini-programme crypto, n'est-ce pas? Pour pouvoir bien démarrer ta formation en trading, pour pouvoir bien démarrer cette année 2023 et faire que cette année soit un changement radical dans ta vie. Donc, voilà. Prends le soin de le faire parce que c'est le début des choses, c'est le début des choses. Après ça, nous avons le programme pro, bien entendu, programme super engagé qui te montre comment toi aussi tu vas pouvoir trader des gros capitaux et être financé pour pour trader des gros capitaux et gagner un argent décent, n'est-ce pas? Donc voilà, voilà, ceci étant dit. Je vous attends très très nombreux. Nous avons des promotions qui sont en cours. Dépêchez-vous avant que les prix normaux, dépêchez-vous avant que la fin des inscriptions n'arrive. Donc voilà, dépêchez-vous. Nous avons les contacts WhatsApp qui sont dans le chat. Voilà. Donc pour ce qui est de l'euro USD, on a eu une très très grosse explosion, n'est-ce pas? Et personnellement, je m'attends à ce que l'euro USD corrige, n'est-ce pas? Parce que la hausse a été trop importante, la correction pourrait ne pas être trop importante, mais je vois quand même une correction qui peut se faire en quelques jours. On peut mettre notre graphique en 1 heure pour avoir une meilleure visibilité, sachant que nous sommes déjà jeudi. Donc, je vois clairement la correction qui peut venir chercher en fait les 1,09 tel que je perçois sur mon graphique. Quelque part ici, là, n'est-ce pas? On pourrait corriger là, n'est-ce pas? Et une fois là, on pourrait repartir à l'achat éventuellement pour aller chercher les 40 à, les 60 à 100 pips. Donc, ça, c'est pour EURUSD. Maintenant, une autre chose qu'il faut préciser, c'est que au cours de la journée de jeudi qui s'annonce, on aura également d'autres annonces qui seront très très importants du côté de l'Europe, n'est-ce pas? On aura non seulement l'annonce sur le taux d'intérêt de la Banque centrale de l'Angleterre. Ça aussi, ça risque de faire bouger les marchés très fortement au cours de la journée de jeudi. Donc, soyez très très prudents, hyper prudents. De toute façon, moi, je vois beaucoup plus un contexte bullish sur les monnaies, n'est-ce pas? Donc, pendant que le dollar sera en train de chuter, le pound britannique et l'euro seront en train d'exploser. Donc, on va faire très très attention. Déjà, on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé au cours de la journée d'aujourd'hui en ce qui concerne le pound britannique. On peut voir que le pound britannique a manifesté une explosion clairement parlant, n'est-ce pas? Pendant le même moment où le dollar chutait. Donc, pendant que le dollar était en train de chuter, n'est-ce pas, le pound britannique était en explosion et l'euro également était en superbe explosion. Donc, ça, c'est clairement déjà le phénomène, l'annonce des couleurs qu'on pourrait avoir d'ici à demain. Donc, d'ici à demain, jeudi, en tout cas tout à l'heure, dans quelques heures, on pourrait donc avoir clairement une hausse sur les paires de devises en GBP et une hausse également sur les paires de devises en euros. Donc, je prends le cas de l'euro, on pourrait démarrer par une légère chute et on pourrait continuer la hausse. Pour le GBP USD, je vois également une remontée, n'est-ce pas? Là, on a cassé ce niveau clé. Donc, je vois une correction, n'est-ce pas? Une correction qui pourrait venir chercher ce niveau des 1,23 pour aller chercher beaucoup plus haut maintenant. Donc, ça, c'est ma perception. Pour le GBP/JPY, on voit que on a chuté au cours de cette journée. Je pense que ça va faire un range et on risque d'exploser au cours de la journée d'aujourd'hui également. Donc, faisons très attention. Mais à côté de ça, il y a aussi le yen japonais qui essaie de pousser fortement à la hausse. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait aussi avoir un
un range ici là qui persiste parce que aucune des deux paires de devises ne prédomine sur l'autre quoi. Le USDJPY nous a donné une magnifique baisse aujourd'hui qui a été prise par nos étudiants. Donc félicitations encore à vous, c'est hyper hyper top. Donc voilà, félicitations encore à votre engagement et à votre travail. Donc c'est l'avenir qui nous dira des résultats ultimes. Donc encore une fois, beaucoup de courage à tous les étudiants d'AfroForex. Très bien. Donc NZD/USD, on a également explosé. Donc je vois clairement pour toutes les paires de devises en USD une correction. Donc on va regarder le point à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des paires de devises telles que le USDCHF, on a eu la chute. N'est-ce pas? Donc, le USDCHF est négativement corrélé à l'euro-USD. Donc, quand l'euro-USD va à la hausse, le USDCHF va à la baisse et vice-versa. Donc, là, actuellement, je vois une persistance à la baisse du USDCHF. On pourrait avoir une légère correction à ce niveau-ci, mais après, on va certainement persister à la baisse avec le USDCHF. Ok? Donc, Eurocard a également explosé, mais de manière fulgurante, quoi. Donc, du coup, voilà un peu de manière plus ou moins résumée les idées que je peux donner pour les tendances principales. Pour ce qui est du marché des cryptos, encore une fois, je l'ai dit, on est en train de persister à la hausse, n'est-ce pas? Donc, on va suivre de près la hausse qui s'est manifestée pour cette journée. Donc, je pense qu'on risque de continuer. Donc, peut-être petite correction qui va nous donner clairement plus tard dans quelques heures ou bien dans quelques jours une continuité du mouvement haussier sur les cryptos. Donc, explosion qui a plutôt payé plutôt bien. Moi, j'avais pris le Bitcoin quand il était là, n'est-ce pas? J'ai pris le Bitcoin ici, exactement. Donc je suis clairement en profit sur le Bitcoin. Donc, j'ai encore le trade qui est en cours. Donc, du coup, je pense que ça va encore continuer. Donc, mais de toute façon, si ça me donne des signaux qui m'incitent à clôturer le trade, ce serait déjà un beau trade. Donc, du coup, on va tout simplement suivre de près. Ça me permet de pouvoir faire pas mal de choses sur les marchés. Donc voilà un peu de manière résumée. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on rajoute. Si vous avez des questions, bien sûr, lâchez-vous en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Encore une fois, nous allons suivre les marchés de près et de tout près parce qu'il y a pas mal de mouvements, surtout pour la journée de jeudi qui démarre déjà. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de pouvoir, bien sûr, taper encore très fort sur des opportunités qui pourraient être assez intéressantes. Donc, on va suivre ça de près. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, partagez la vidéo au maximum. C'est très important pour pouvoir encourager le travail que nous faisons, pour pouvoir, bien sûr, encourager, n'est-ce pas, à ce que la communauté puisse s'intéresser au marché financier. C'est très important. Ça va nous permettre de drainer pas mal de fonds. Ça, je peux vous le dire clairement, en toute certitude. Donc, du coup, partagez au maximum, d'accord? Voilà. Et surtout, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent à la formation, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible pour saisir vos places, pour vous inscrire. Délai d'inscription bientôt arrivé et aussi les promotions sont en cours. Profitez-en encore. Il y a vraiment l'occasion pour vous de pouvoir changer la donne dans votre vie. Voilà. Ceci étant dit, on va se dire tout simplement. Je vous remercie et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!